Woody et Buzz, les meilleurs amis du monde? Qui aurait pu le croire? Aucun des jouets de la chambre d'Andy n'aurait imaginé qu'ils deviendraient amis. Particulier le jour où Andy a reçu Buzz comme cadeau pour son anniversaire. Oh, ça a fait une drôle de pagaille. Parce que jusque-là, Woody avait toujours été le chouchou. Et lorsque six des Scuds sont arrivés, les choses ont vraiment mal tourné. Mais je crois que j'en ai déjà trop dit. Laisse-moi te dire ce que tu peux faire ici. Si tu veux lire et jouer dans l'histoire, clique sur mon image dans le coin. Clique sur mon image où je tiens le livre et tu pourras t'asseoir tranquillement et écouter. Ou tu peux cliquer sur cette image et nous sortirons d'ici. Maintenant, si tu joues dans l'histoire et que tu veux avancer, utilise le badge de Buzz qui est là-haut. Clique sur cette flèche et tu pourras aller à la prochaine scène. Clique sur cette flèche et tu reviendras à la scène précédente. Et cette fusée qui est au milieu te ramènera directement ici. Tu vois la petite image qui brille dans le coin là-haut? Clique dessus si tu veux que je te répète quelque chose. Et l'album qui est là est très pratique. Il peut t'emmener directement à l'endroit de l'histoire que tu préfères. Tu n'as qu'à utiliser les flèches en bas dans le coin pour tourner les pages, et ensuite tu cliques sur la photo qui te fait envie. Voilà, c'est tout. Alors, où veux-tu aller? Bon, alors je vais te dire comment toute cette histoire entre Woody et Buzz a commencé. C'était juste avant le déménagement, et nous avions une réunion au sommet. Woody nous rappelait que nous devions tous avoir un compagnon de route quand il nous glissa discrètement une nouvelle qui me mit en pièces. Où en étais-je? Oui, j'ai failli oublier un petit détail. Andy fête son anniversaire au... Comment ça, il l'a fait aujourd'hui? C'est la semaine prochaine, son... Qu'est-ce qui se passe là en bas? Nouvelle pièce. Oh là là, attendez. Là, comme ça, c'est mieux. Andy arrive, nouveau jouet. Tous à vos places, vite. Tout le monde devait retourner à sa place avant l'arrivée d'Andy. On avait vraiment besoin d'un bon coup de main. Bon, essayons de remettre tout le monde à sa place. L'ombre de chaque jouet est à l'endroit où il devrait être. Alors prenons les jouets et amenons-les sur leurs ombres. Oh, parfait! Tout va bien pour moi. J'en attendais pas moins de toi. Le camion de pompier est le seul qui reste à ranger. Bien joué, chef. Pour continuer, clique sur l'aile droite du badge de Buzz. Pour aider les jouets à retrouver leur place, clique sur leurs ombres, le thermomètre ou moi en train de parler. Bon, essayons de remettre tout le monde à sa place. Quand tu prendras un jouet, je te dirai « c'est chaud » si tu te rapproches de là où ils doivent être rangés ou « c'est froid » si tu t'en éloignes. Du gel! Du gel! Tu brûles! C'est chaud! Tu brûles! C'est gagné! C'est encore moins chaud. Tu brûles. C'est gagné.
gèle. Tu brûles. Encore moins froid. Tu brûles. C'est gagné. D'accord, d'accord. Chaud. Tu brûles. Chaud. Encore moins froid. Tu brûles. C'est gagné. Personne n'a jamais aidé Rocky avant. Si nous avons le serpent, tout y est. C'est froid. C'est encore moins chaud. Tu brûles. C'est gagné. Chaud. C'est gagné. Bien joué, chef. Pour continuer, clique sur l'aile droite du badge de Buzz. Pour aider les jouets à retrouver leur place, clique sur leurs ombres, le thermomètre ou moi en train de parler. Très bien, je vais t'aider à... Parfait, tout y est. Quelqu'un ! Vite, faut faire la place ! C'est là que son vaisseau spatial va atterrir ! Les enfants, venez, je vous ai préparé un gâteau ! En fait, Andy reçut le jouet le plus génial de la Terre, un Buzz l'éclair. Avec Woody, on était tous impatients de voir la tête du nouveau venu. Journal de bord, Buzz l'éclair, année 4072. Mon astronef a quitté la trajectoire du secteur 9. Je me suis écrasé sur une étrange planète. L'impact a dû mettre fin à mon hypersomnolence. Le sol semble pour le moins instable. Ah, ne touche pas, voyons. Tu pourrais blesser quelqu'un. J'ai trouvé mon compagnon de route. Salut, cowboy. Moi, c'est Woody. Et ici, c'est la chambre d'Andy. Tu es chez moi. Le lit, c'est mon territoire. L'autorité locale ? Eh bien, c'est pas trop tôt, mon vieux. Hey, tu pourrais pas faire un peu attention ? Et qui ne serait pas impressionné par un Buzz l'éclair ? Super ! Wow ! Oh, wow ! En deux temps trois mouvements, Buzz devint le jouet favori d'Andy. Les choses allaient bien trop vite pour le pauvre Woody. Buzz, Dandy, Woody. Regardez, je suis Woody. Salut, salut, salut. Oh non, non, ça suffit comme ça.
Tout a commencé à aller mal quand maman a dit à Andy de n'emporter qu'un seul jouet à Pizza Planet. Woody voulait être ce jouet. Buzz l'éclair, Buzz adoré, tu es là. Oh, c'est vraiment un drame. Un jouet sans défense, il est tombé dans un piège. Bon, voyons voir si cette réaction en chaîne fonctionne. La réaction en chaîne ne fonctionne pas. Si tu arrêtes au bon endroit tous les jouets qui bougent, c'est moi qui irai à Pizza Planet. On dirait que Rex ne regardait pas dans la bonne direction. Essaye encore. On dirait que Rex ne regardait pas dans la bonne direction. Essaye encore. On dirait que le ventilateur n'était pas pointé dans la bonne direction. Essaye encore. Encore deux ou trois petites choses à mettre en place et Buzz ne sera plus un obstacle. Moi et des poupées. On dirait que le ballon n'était pas à la bonne place. Continue. Moi et des poupées. On dirait que le ballon n'était pas à la bonne place. Continue. On dirait que la fusée était pointée trop haut. Essaye encore. On dirait que la fusée était pointée trop bas. Continue. Oh,
c'est un accident, les gars! Woody était vraiment dans le pétrin, mais avant que les jouets aient pu faire quoi que ce soit, Andy l'avait attrapé pour aller à Pizza Planet. Woody savait que sans Buzz, il ne pourrait plus retourner dans la chambre. Une surprise attendait Woody à la station-service. Buzz avait réussi à monter dans la voiture et il n'était vraiment pas content. Alors, tu as essayé de m'éliminer, hein, cow-boy? Bon, amène-toi! Allez, tu veux te battre? Avec plaisir! Content. Pas content. Buzz. Pas content. Voyons, c'est liquide. Hey, oh, tu sais où est le boulevard Cutting? Pizza Planet, mais c'est là où Andy. Oh non, je ne peux pas retourner dans la chambre sans Buzz. Buzz! Buzz! J'ai trouvé un vaisseau spatial! Parfait, montons à bord. Arrivé à Pizza Planet, Woody se mit à chercher Andy, alors que Buzz voulait un vaisseau spatial pour rentrer chez lui. La voie est libre, cowboy. Oh, désolé, cowboy. Non! Oh! 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 De la barbe à papa vous est proposé à côté de l'entrée. Salutations. Je suis Buzz l'éclair et je viens en paix. C'est une urgence intergalactique. Je dois détourner votre vaisseau vers le secteur 9. Qui est votre commandant? Le grappin. Le grappin est notre maître. Lui seul choisit C'est ceux absurde. Qui s'en vont et ceux qui restent. Ouais, le jeu du grappin. Woody et Buzz étaient bien trop occupés pour remarquer qui était à Pizza Planet. Sid Phillips. Quand Sid mit la pièce dans le jeu, il n'avait aucune idée de ce que le grappin allait attraper. Tu as été choisi pour conduire mon peuple vers la liberté. Sélectionne mes humbles serviteurs selon les tables de la loi du grappin. Pour cela, clique sur les jouets du jeu qui correspondent à ceux du tableau de Pizza Planet. Très bien, marin galactique.
as réussi, aviateur interstellaire. Tu as réussi, marin galactique. Tu as réussi, nomade suborbital. Conduire mon peuple vers la liberté. Sélectionne mes humbles serviteurs selon les tables de la loi du grappin et place-les dans les sacs à dos de la destinée. Pour cela, clique sur les jouets dans le jeu qui correspondent à ceux du tableau de Pizza Planet. Ensuite, amène-les vers les sacs à dos qui correspondent à ceux du tableau. À neutrons. Le grappin est notre maître. Le grappin m'a choisi. Super! J'en ai deux pour le prix d'un! Woody et Buzz étaient maintenant entre les mains de Sid Phillips, le pire cauchemar pour un jouet. Buzz et Woody ont dû passer une nuit d'horreur dans la chambre de Sid. C'est là qu'ils ont commencé à mettre un plan au point. Oh, qu'est-ce que c'était? N'en sais rien, Cobry. Personne n'a une torche pour qu'on puisse s'éclairer. Allez, descends, chérie. Shérif, tu entends? Shérif! Ah, te voilà enfin! Elle est arrivée! Elle est enfin arrivée! La monstrueuse! Qu'est-ce que je vais faire exploser? Je sais! Buzz l'éclair.
Woody devait agir vite pour sauver Buzz et rentrer avant le déménagement. Il mit au point leur évasion avec les jouets de Sid. Très bien. Que chacun se rappelle bien ce qu'il a à faire. Toi, bébé, maintenant tu dois nous faire descendre l'escalier. Clique sur la prochaine marche où tu veux nous emmener, mais essaye d'éviter de marcher sur quelque chose. Si tu veux que je te montre comment y arriver, clique sur mon crayon. Toi, bébé, maintenant tu dois nous faire descendre l'escalier. Clique sur la prochaine marche où tu veux nous emmener, mais essaye d'éviter de marcher sur quelque chose. Si tu veux que je te montre comment y arriver, clique sur mon crayon. Tiens, je crois que j'aperçois une sortie. Ami 2 Canard, balance-toi de plus en plus fort jusqu'à ce que tu touches la sonnette. Tu auras besoin d'aller de droite à gauche pour pouvoir atteindre la sonnette qui est là. Il était temps de donner à Sid Phillips le choc de sa vie. Oui, mon gars, c'est à toi que je m'adresse, Sid Phillips. Nous n'aimons pas être pulvérisés, Sid. Ou écrabouillés. Ou écartelés. Nous ? Absolument. Nous, tes jouets. Alors rappelle-toi, Sid, pas de violence. Ah ! On a gagné ! On a gagné ! Bravo les amis ! Buzz, il y a urgence, il faut s'en aller ! Pas de problème. Buzz était libre, mais il n'avait pas le temps de fêter ça. Lui et Woody devaient rattraper le camion de déménagement. Pour rattraper le camion de déménagement, Buzz et Woody devaient éviter Scud. Thank you.
Tous les jouets ont aidé Woody et Buzz à monter dans le camion. Moi, aidez Woody! Regarde, tu vois, mes bras sont pas assez longs. Moi, aidez, monsieur Patate. Mais arrête, lâche-moi. Mais pour qui tu me prends, monsieur la gonflette? J'ai toujours su que Woody disait la vérité. Oui, je le savais. L'important, depuis... c'est de savoir comment on va les sortir de là. Oh, bon, laisse-moi réfléchir. C'est Buzz. Woody disait la vérité. Génial! Maintenant, j'ai des remords. Hé, les gars! Cartine ramène Woody! Et Buzz est avec lui! Envoyez-moi une gomme, vite! Retenez-moi par la queue! On avait réussi! Woody et Buzz étaient sains et saufs! Maintenant, en route pour la nouvelle maison! Ce Noël-là, Woody et Buzz nous ont dit que la prochaine fois qu'il y aurait des cadeaux, on n'aurait pas à s'en faire. Buzz l'éclair, ne me dis pas que tu te fais du mauvais sang! Moi? Non. Et toi? Non! Après tout, qu'est-ce qu'Andy pourrait bien recevoir de pire? Eh bien, en tout cas, la leçon que j'ai retenue de toute cette aventure, c'est que je ne veux plus jamais être séparé de vous, mes amis. Enfin, sauf peut-être de toi, Patate. Hey ! Peut-être Andy va avoir un autre dinosaure, un végétarien, comme ça je pourrais jouer au prédateur de Milan. Bon, d'accord. Qui suis-je? Danger, Will Robinson. Madame Patate. Eh, on peut rêver, non? Oh!
C'était une bonne chose que Woody et Buzz soient amis, parce que la plus grande surprise de ce Noël ne tarderait pas à arriver. Parfait. Laisse-moi te dire ce que tu peux faire ici. Bon, alors je vais te dire comment toute cette histoire entre Woody et Buzz a commencé. C'était juste avant le déménagement et nous avions une réunion au sommet. Woody nous... Si tu es sûr de vouloir t'en aller, clique sur Zigzag. Mais si tu veux continuer à jouer, clique sur Monsieur Patate ici. Très bien, dépêche-toi de revenir dans la chambre d'Andy.